qu'est-ce que la NAP ? Une des grandes agences du domaine sanitaire et au surplus une agence qui a cette particularité dans ses réunions de s'ouvrir très largement aux usagers. De ce point de vue-là, il y a sans doute l'opportunité de débat et effectivement, comme le dit le titre de la réunion de cette année, d'avancer ensemble. Le fonctionnement de territoire, il a cette vertu de permettre à la démocratie sanitaire de se développer. Cette démocratie sanitaire, elle est attendue parce qu'elle va bien avec les nouvelles formes de maladies chroniques et dégénératives qui sont des maladies au long cours et qui font que le patient n'est plus tant un patient qu'un usager du système. Et donc le territoire est le lieu du débat et le lieu de la décision en commun. Donc le territoire accompagne la démocratie en santé au travers de cela.